Bienvenue au Fort de Vallon. Ici, on est au cœur de l'histoire de la MOP 39-45 du Jura. Ce fort a été construit en 37-39 suite à la décision du Parlement en 1935 qu'il commençait à avoir des bruits de bottes à l'est de l'Europe. Ce fort a été déclassé en 1983 pour des raisons tactiques qui auraient pu être d'actualité. Et en 1988, une fondation a été créée à Vallon pour maintenir cette histoire passée de notre Jura et notre Vallon et pour montrer aux générations futures la volonté de défense de nos ancêtres. C'est évidemment un ascenseur Schindler, commande Harley. Le tableau de commande a été modernisé dans les années 1960, mais ça reste encore de l'électromécanique. Ce n'est pas une commande électronique. Une petite anecdote. Vous voyez ici, en haut, il y a un trapon avec une échelle. Vu que la longueur de gaine qui fait que deux niveaux, qui est de 38 mètres, le chemin de fuite se fait par le trapon. Vous avez quatre chemins de fuite, mais si l'ascenseur est bloqué entre ces chemins de fuite, vous avez une pince Monseigneur qui permet, depuis le toit de cabine, de couper le grillage et pouvoir évacuer les personnes.